s'informe. Tout de suite, on en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Aujourd'hui, place aux légumes oubliés. Si je vous dis salsifis, crône, rutabaga ou encore, tiens, le topinambour. Bonjour Annie. Bonjour Lara. Ça va bien? Très bien. Le topinambour, justement, vous en avez mangé dans votre enfance? Jamais. Pourquoi? Mais parce que c'était un légume pour les animaux et puis on ne savait pas le cuisiner. Et aujourd'hui? On sait le cuisiner et on l'en fait les jours de fête. Les plus anciens ont gardé un mauvais souvenir du rutabaga et du topinambour qu'ils associent en fait aux restrictions alimentaires de la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes générations ne connaissent pas vraiment ces légumes et en plus, ils pensent qu'il s'agit de légumes du Moyen-Âge. Oui, et surtout, le nom topinambour, ça ne veut pas dire grand-chose. Haricot, c'est plus facile. Ça, c'est vrai. Et surtout, n'oubliez pas que c'est très bon pour la santé, surtout pour les diabétiques. Les choux navets, panés et autres légumes anciens, c'est très bon pour avoir la forme. Oui, en vitamine et le topinambour en inuline. Alors c'est vrai que la nouvelle cuisine redécouvre tous ces légumes anciens, les nèfles, les cardons et les topinambours. Annie, une petite recette alors. Un sauté de topinambour, blanchi, bien égoutté, doré. On met dans la poêle directement. De l'ail, de l'échalote. Du persil pour ceux qui aiment, d'accord. Une noix de muscade et surtout de la crème pour ceux qui n'ont pas peur du cholestérol. Et c'est un régal. Et ça sent... l'artichaut. Exactement. C'est super bon. Les topinambours viennent du centre des États-Unis où ils ont été cultivés au 15e siècle. C'est délicieux en accompagnement d'une viande par exemple. Tous ces légumes anciens sont riches en fibres, minéraux, vitamines, des atouts antioxydants, tout pour ne pas les oublier. Alors aucun doute Annie, c'est avec les vieux légumes qu'on fait les meilleures soupes. Conseils, recettes, www.france3.fr. Tous en forme. C'était On en fait tout un plat avec le département de la Moselle.